je suis en train de retoucher un cadran de montre Jaguar. Donc je redonne une structure de poil pour être plus réaliste. Et je redonne un petit peu de volume au nez, ce qui était quasiment inexistant. On part d'un morceau de métal, tout simplement. Et puis après, soit on dessine, soit on peut scier aussi pour faire les contours. On essaie un maximum de céder de documents, qu'à l'aide de documents de photos, quoi que ce soit, d'essayer d'être le plus fidèle possible, en fait, à ce qu'on doit représenter. La plaque de base, généralement, est en or. Après, ça peut être aussi du platine ou du laiton. Pour Cartier, c'est de l'or. C'est pas un obstacle de travailler de l'or, parce que c'est un métal qui se travaille très très bien. Peut-être qui est assez mou et qui est dur aussi en même temps, mais qui n'a pas trop de différence de densité dans le métal. Je vais pouvoir être assez régulier du début à la fin du trait. Il faut avoir une pression constante, mais en même temps, quand on arrive en fin du trait, par exemple, il faut relâcher la pression de façon à ce que le trait finisse doucement et que ça soit pas brutal, quoi. Sur un cadran de montre comme celui-ci, je peux passer 3-4 jours dessus, bien comme il faut, juste pour tout ce qui est travail de gravure. Il n'y a pas vraiment de routine, c'est vraiment des choses uniques et très spéciales qui passent tout au long de l'année. Forcément, ça relève un peu de l'intérêt aussi.